Je ne peux pas accepter le genre d'enfant là chez moi. Je ne peux pas. Pourquoi? Quoi? C'est une preuve d'adultère. Tu ne peux pas m'imposer cet enfant. C'est un enfant après mariage. Non, 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 non. Je ne peux pas. Tu ne penses pas que tu es plus intelligente que moi? Essayons de faire les statistiques. Quand tu es venue, tu en avais combien? J'avais 3. Tu avais 3 enfants? 3 enfants, 3 pères différents. Et c'était mon passé. C'était ton passé? Oui. Bon, moi aussi, c'est mon passé présent. Tu et moi, on a fait un orque, ça fait 4. Quand tu m'as reconnu, j'avais 2 enfants avec 2 mères différentes. Avec le tien, ça fait 3 enfants. Oui. Alors, si je veux reconnaître un enfant que j'ai fait accidentellement dehors pour qu'il ne soit pas un père inconnu, tu commences à dire que tu ne veux pas. Tu ne veux pas pourquoi? Alors qu'on doit être l'égalité. Inalmi, ça ne peut pas se passer ici. On va donc voir. Je ne peux pas prendre le jardin. Tu ne peux pas m'imposer une preuve d'adultère, ça c'est clair. Je ne peux pas. Ah tout bon? Ce que tu comptais là, c'était avant mariage. Tu crois que je vais accepter ça? Non! Mon frère, c'est à cause de ce genre de choses que j'ai 4 enfants, 4 pères. Tu m'entends? Mieux je pars. Ah! Oui, il fallait faire tes 3 enfants avant. C'est comme ça dont la porte est ouverte. Je ne peux même pas. L'autre là, je ne peux pas. Ok? La porte est ouverte. C'est comment? Ok. Bon goût. Ok. Bicaranta! Non, c'est moi qui suis fou. Tu Bicaranta! Tu as aussi fait 3. Tu as fait 3. Ok. Tu as fait 3. C'était ton passé. Attends. Moi aussi, c'était mon passé. Quand tu entends parfois que je parle fort. Il te raconte l'histoire. Non! Je te raconte l'histoire de quoi? Il raconte quoi? Hein? Il y a quoi qui se passe? Il allait boire le ça, coup. Ça, c'est l'ingratitude que tu veux me faire là. C'est l'ingratitude. Ah bon, tu vas rester avec. C'est pas moi le chef de cette maison. Bicaranta! C'est toi qui me commande ici. Il faut partir. Bicaranta! C'est quoi? Tu vas m'imposer quoi? Un enfant après l'adultère. Pourquoi? Bicaranta! On va donc voir. Tu dis quoi? Bicaranta! Disjoncté. Depuis le dehors, je vous entends tourner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Raconte l'histoire. Raconte l'histoire. Mon frère. Tu me connais. Tu connais comment j'ai rencontré cette femme. J'ai quand même pris avec mon bon cœur que tu connaissais. J'ai épousé cette femme. J'ai accepté tout le fardeau qu'elle avait. Elle est venue avec 3 enfants, 3 pères différents. Oui. Je l'ai accepté. On a fait un enfant, ça fait 4. Disjoncté. Oui. Regarde-moi les choses. Qu'elle te raconte? Tu te rappelles une fois là, on était allé à une fête. Le jour là même, j'ai bu. Quand tu avais saoulé comme voilà. Ça, tu es même rentré avec une fille, tu disais que c'était ta cousine. Je ne sais pas les événements qui avaient suivi après notre séparation. Puis tu étais rentré avec, je sais pas, c'était ta cousine. Je me rappelle plus. 6 mois après, une femme me rencontre en route. Elle m'appelle au téléphone, elle me dit que je suis le père de son enfant, elle est enceinte de moi. Oui. J'ai failli d'abord lui donner le coup de poing. Et comme je suis quelqu'un de la non-violence, je n'aime pas la violence, surtout la violence sur les femmes. Je dis que tu es malade, un homme fidèle comme moi. Après, quand elle a accouché, 1 an, 3 mois, elle m'a appelé pour aller voir l'enfant. J'ai failli douter. Mais quand j'ai vu la tête de l'enfant, j'ai reconnu ma tête. Je regarde le nez de l'enfant, je reconnais mon nez. Je regarde la bouche de l'enfant. L'enfant a la même forme de bouche que moi. Eh ben, le problème, c'est. Tu m'as informé. Maintenant, l'enfant a déjà presque 2 ans. Deux ans. Et tu sais que 2 ans, c'est déjà qu'on doit faire l'acte de naissance à l'enfant. Quand je viens lui dire ça, doucement, avec mon bon cœur, avec l'amour que j'ai pour elle, elle dit que non, je ne dois pas reconnaître cet enfant parce qu'elle ne le connaît pas. Ce n'est pas son enfant. Bon goût. Bicaranta, aussi 3 enfants, 3 mères différents. Bon goût. 3 enfants, 3 mères différents. Non. La porte est ouverte, quelque part. Je ne peux pas entrer dans ce film-là. Bon goût. Je ne peux pas. L'autre là, je ne peux même pas. L'enfant est un don de Dieu. Voilà. Et tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Qui sait? On ne maîtrise jamais la mouche qui accompagne le cadavre dans le cercueil. On ne sait jamais. Moi, je te proposerais qu'il récupère cet enfant et que tu lui donnes ton éducation. Voilà. Que tu lui donnes ton éducation. Il ne faudrait pas que cet enfant débarque ici, peut-être, quand il sera grand, avec de ses sales habitudes. Tu sais que le dehors est mauvais. L'éducation de Fakouché, qui sait si c'est le ministre des Finances qui arrive, le futur ministre des Finances. Bicaranta, l'enfant même est de quel sexe? J'ai pas vu son sexe, mais j'ai vu seulement la tête. La tête. Imagine un peu si c'est une fille.
Tu ne vas pas quand même nous hypothéquer toute une dot comme ça. Et en plus, les filles là, toi-même tu sais, si elles suivent l'éducation de sa mère, peut-être elle tombera aussi enceinte de Soula. De Soula. Et si c'est un garçon, il devient grand là, agresse. Il viendra vous agresser il ici. Il vient ici avec la machette. Il viendra vous agresser ici avec la machette. Donc dehors est mauvais, tu le sais. L'éducation de femme. Moi je te proposerai de récupérer cet enfant. Moi je ne peux pas laisser mon sang dehors. Hein? Oui, moi je pars. Il n'y a pas une autre solution. Je suis habitué. Qu'est-ce qui te bloque encore là? On va donc voir ça ici. Disjoncteur. Attends, j'ai fait même quoi ici? Je repars là, je suis venu. Allons. Ok. Parce que vraiment, quand tu ne vas pas me trouver ici, je ne suis pas là. Comme tu parles là, tu ne vas pas me trouver ici. Tu ne vas pas me trouver ici. Ça, c'est même quelle histoire ça?